Sebastian Walt, l'archange Gabriel, pour obtenir des messages de sa part. Alors, il me fait prendre ce jeu-là, pour commencer. Le petit pareil de la mission de vie. De la mission de vie. Les deux. Ah, tu veux me dire les deux, c'est pour une personne, la personne qui regarde la vidéo, et pour une personne à laquelle elle pense, c'est ça? C'est ça? D'accord. Donc celui-ci pour la personne qui regarde la vidéo, et celui-ci pour la personne à laquelle elle pense, ou l'inverse? Alors comme tu veux, mais j'ai envie de changer. Donc ça c'est pour la personne qui regarde la vidéo, et ça c'est pour la personne à laquelle elle pense. Oh, je sais pas comment j'ai... Bon, la personne qui regarde la vidéo, c'est ça? Alors pour vous qui regardez la vidéo, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et pour la personne à laquelle elle pense, enfin qu'elles aiment, pour la personne que vous aimez donc, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Oula, elle a du remous cette personne là. Donc on prend quelque chose pour éclairer ça. Alors, quel jeu Gabi? Tu l'as? Alors, pour éclairer la... Ça c'est la personne qui regarde la vidéo. Donc ça c'est la personne qu'elles aiment. Donc pour éclairer la personne qu'elles aiment, c'est ça? Elle est en période négative là. Elle commence à désespérer, c'est ça? Oui, voilà qui me dit. Alors, on va éclairer pour cette personne là que vous aimez. Hop là. Ah bah oui, elle est en train d'éliminer ses pensées toxiques, donc forcément, ça confirme. Elle avait des soit des mauvaises pensées, soit des énergies... Oui, elle avait des pensées toxiques, en fait. Donc elle est en train de les éliminer. Et justement, elle a croisé des chemins pour pouvoir positiver. Positiver, se sentir bien. Se sentir bien. Dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle façon de voir les choses, dans une nouvelle vie. Peut-être elle laisse derrière elle des personnes, hein. Pas forcément. Ou des situations. Ah, elle va peut-être devoir quitter des situations. Ou des gens. Donc ça revient au même, bref. Je pense celle-ci, pour la personne que la personne de la vidéo aime. D'accord. Ah, vous avez la grâce. Elle va avoir la grâce, cette personne qui vient, la grâce divine, qui va l'aider à sortir de ses mauvaises pensées, c'est ça? D'accord. Je continue pour les personnes qui regardent la vidéo là, avec le même jeu. D'accord. Je rappelle à tous que je ne suis ni tarologue ni astrologue. J'entends l'archange Gabriel dans ma tête depuis septembre 2021. Donc si vous voulez savoir comment il est arrivé dans ma vie, vous pouvez regarder la première vidéo de la chaîne. Ça a commencé par l'auto-écriture et donc depuis je l'entends dans ma tête, qui m'aide à faire passer ses messages. Et donc les cartes, c'est un divertissement pour animer un petit peu ces messages. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous avez pris des risques, vous allez prendre des risques. C'est ça? Vous avez osé prendre des risques. D'accord. Et donc, vous allez... vous êtes éclairé, vous allez être éclairé. Vous allez savoir où vous allez aller. Vous allez être inspiré pour savoir quelle direction prendre. Et en même temps, vous allez redevenir vous-même. Alors, vous avez certainement eu, vous aussi, des soucis et vous avez dû à un moment donné peut-être vous renier parce que à cause de votre entourage, à cause de pour X raisons, hein, peu importe les situations, les expériences de vie, et du coup vous étiez perdu un petit peu, et là vous allez pouvoir revenir à vos racines, revenir à vous-même, et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc la prise de risque, ça peut être juste ça, reprendre confiance en vous et pouvoir faire des nouvelles choses que vous n'auriez pas osé faire autrement. C'est ça, Gabi, hein. Je continue pour ce côté-là, avec ce jeu, hein. On me dit oui. Celle-ci. Ah ben oui, vous aviez le sentiment de vous être perdu à un moment donné. Vous étiez perdu. Mais du coup, ça va revenir bien. Vous allez vous retrouver. Et
vous allez avoir une bonne nouvelle. Ou vous allez avoir une bonne nouvelle, ou vous allez donner des nouvelles à quelqu'un et ça va être une bonne nouvelle pour la personne. C'est ça? Sinon, vous allez avoir une bonne nouvelle. Et tout ce que vous avez préparé dans votre tête ou dans votre vie, tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, ça va enfin porter ses fruits. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Je vais continuer avec ce jeu. Alors, tu veux faire un tirage pour le lien, c'est ça? Avec celui-là? Alors, pour le lien et entre vous et la personne que vous aimez, finalement. Pourquoi j'ai dit finalement? Je sais pas. Parce que je savais pas de quoi aller parler à la vidéo au départ, sans doute. Alors, pour le lien. Ah, vous êtes souvent observé. Peut-être parfois jugé. Vous avez eu des doutes sur l'autre personne. Vous ne saviez pas trop quoi penser de son comportement. Et le lien va aller vers la stabilité. Et vous avez souvent imaginé des choses l'un et l'autre qui n'étaient pas vraies. Ou alors vous avez aussi pu, pour certains, imaginer des choses positives et qui vous avez pu idéaliser l'autre alors qu'en fin de compte vous vous trompiez. Mais le lien, il a gardé les souvenirs, les bons souvenirs que vous avez passés ensemble. Donc là, pour l'imagination, je dirais plus que vous avez dû imaginer des choses pas vraies. C'est ça? C'est ça, hein, Gabi? On dit oui, voilà. Donc là, vous avez gardé souvenir de bons moments ensemble, d'attachement. Enfin, vous étiez amoureux, tout simplement. Hein. Et vous l'êtes toujours, puisque le lien vous raccroche à ce passé-là. Au bon moment. Je continue bien avec ce jeu, hein, Gabi. Hein. Oui, oui. Il est pénible, il ne répond pas toujours exprès dans ma tête quand je fasse avec mon doigt, comme quand je faisais de l'auto-écriture. Ah, le lien va vers une belle évolution. Une belle évolution. Donc, ça va le faire. Je change de jeu, c'est ça. Et celui-là? Celui-là? Donc, celui-là pour savoir ce qui va se passer après? Dans un futur proche, Gabi? On dit oui. Allez, pour les amis qui regardent la vidéo, un futur proche. Ah, vous voyez, vous allez plus être dans le mental autant que vous l'étiez. Allez, écoutez votre cœur. Et votre vie, bah voilà, vous allez vers la perfection de votre vie. Ça va être super, super. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre, voilà. Vous allez enfin pouvoir vivre votre amour comme vous le souhaitiez. Hein, il y a eu des blocages, mais là, ça y est, l'amour va pouvoir être vécu comme vous le souhaitiez. Et vous allez pouvoir oublier les souffrances que vous avez vécues. Tout ça pour vous mener à la vie que vous rêviez. La vie dont vous rêviez, pardon. Je prends un autre jeu. Lequel? Celui-là? Alors, l'oracle des miroirs. Pour cette relation, que va-t-il se passer? Ah! Regardez, donc ça a pris beaucoup de retard, ça a pris beaucoup de temps. Et vous arrivez enfin au carrefour des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Un nouveau destin qui s'offre à vous. Il y a eu des jalousies, hein. Il y a eu beaucoup de jalousies. Et vous allez pouvoir enfin vous rencontrer, vous retrouver, faire un déplacement pour ça. Voire même pour certains, un petit voyage en amoureux. Regardez, le changement qui vient avec les nouveaux projets. La naissance de quelque chose. Pour certains, si vous êtes encore en âge de procréer, la naissance d'un enfant. Il y a eu des énergies qui sont restées loyales. Vous êtes resté loyal, finalement, par rapport à l'autre personne. C'est ça, Gabi? Des deux côtés? Il y a eu de la loyauté des deux côtés? D'accord. Je continue avec ce jeu? Non? Celui-là? Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous poser une question, les amis, par rapport à cette relation, à cette personne. Et on va voir la réponse de l'archange Gabriel. Encore une autre? Là, tu veux faire deux choix peut-être?
Alors, posez-vous une question si vous le souhaitez, sinon vous aurez tout simplement le message. Alors, il y a deux choix possibles ou c'est juste un complément pour la réponse? Comme les personnes veulent. Donc, soit vous choisissez cette première réponse, soit vous choisissez cette deuxième réponse. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sera une réponse et un complément, c'est ça? Bon, bah, on compte toute l'affaire. Alors, la réponse, l'abondance. L'abondance, c'est positif, tout simplement. Positif. La réponse est oui, en fait. Et un complément, attendez-vous à un signe. Alors, un signe du divin, un signe de l'univers. Ah bon, vous allez avoir un signe qui va vous faire du bien. Ça peut être un signe de l'autre personne, puis aussi. Je continue avec ce jeu? Non, c'est bon pour cette vidéo? Voilà les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Bisous bisous, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon pour toi? Bisous bisous, à bientôt!